lui enseigner son papa. On va le voir aussi en retour de service, elle se met 2 mètres à l'intérieur du court, même sur la première balle de service de ses adversaires. Oula ! Oui. Bien joué. Magnifique, magnifique, en prenant la balle très tôt. Et surtout, toujours aussi proche de la ligne de service pour retourner. Mettant beaucoup de pression sur ses adversaires. C'est superbe. Superbe de la part d'Aranxa. Ah oui, avec des... Magnifique, magnifique. On parlait de ce coup droit qui est bien sûr... Ah, c'est super. Parfait, parfait de la part de la joueuse espagnole. Balle qui touche la ligne. Oui, sans problème pour Aranxa Sanchez Vicario. L'Espagnol menant 3 jeux à 0. Ici, dans la trajectoire gauche-droite. C'est superbe, superbe coup en avançant. Le revers. Marion capable de breaker très très souvent ses adversaires puisqu'elle leur met beaucoup beaucoup de pression. Parfait. Notamment avec son revers. Très à l'intérieur du terrain bien sûr. Voilà, superbe. On disait Marion capable de... Là, c'était un très très bon service. C'était beaucoup... Une partie qui s'est totalement équilibrée, voire qui est partie un peu à l'avantage de Marion. Parfait. Parfait. Moins d'allonge. Moins de rotation aussi. Superbe, superbe. C'est parfait et pris très tôt de la part de Marion Bartoli. Philosophie... C'est fantastique. Oui, bien joué de la part d'Aranxa. Marion. Quel échange. Et quel bonheur pour Marion que de remporter cette... C'est pas un handicap vraiment à deux mains. Archi dominé Aranxa Sanchez Vicario. Donc Marion est bien est totalement dans cette partie. Elle a dépassé le stade du stress bien légitime. Oui, et bien depuis ce moment. Sanchez est dépassé. C'est fait, première manche et sixième jeu consécutif de la part de Marion Bartoli. La Française remportant donc cette première manche.
Un signe vraisemblablement à son papa qui l'accompagne. C'est du tout bon. Oui, d'autant qu'elle a commis moins de la moitié de fautes directes par rapport à son adversaire. 6 fautes directes simplement pour Marion, toute concentrée dans la faute directe à Arantxa Sánchez Vicario, qui plus elle ne fait pas le jeu. C'est la Française qui le fait. Fantastique. Avec d'entrée. Oh, c'est superbe, superbe. Très concentré Marion Bartoli. Oui, parfait. Superbe la volée qu'elle n'avait pas reçue. Cette espèce de fermeté mentale, elle l'a, Marion Bartoli. Incontestablement. Oui, parfait. Bien contré de la part d'Arantxa. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Elle n'est pas heureuse d'un Marion Bartoli. Oui. Et un ace pour conclure ce jeu pour Arantxa Sánchez Vicario. À ralentir un peu la cadence, ça donnait des trajectoires plus bombées de façon à interdire une prise de balle trop précoce à la Française. Oui, à varier un petit peu le rythme. Mais cette partie n'est pas terminée. Oui, c'est sûr, elle attend la moindre faiblesse de Marion. En la faisant travailler un maximum. Quel point! Et c'est un petit miracle pour Arantxa Sánchez que de le remporter. Ah ben, Arantxa, pourtant pas chose aisée. C'est splendide, splendide. Vraiment magnifique. De l'intention. Est sauvée au filet par la joueuse espagnole. Aïe, oui. Elle est prise. De crainte ou de frustration. Ouais. Allez, un grand retour. C'est fait cette fois-ci, Marion Bartoli. Qui remporte sa plus belle victoire dans sa très jeune carrière face à une légende du tennis, Arantxa Sánchez Vicario, qui a encaissé 10 jeux consécutivement. Elle avait fait double break, menait 3 jeux à 0. Et puis à ce moment-là, eh bien, Marion Bartoli s'est totalement libérée, a dépassé le cap des craintes et puis aussi lourde erreur et 7 fautes directes en 2 manches, ce qui est tout simplement incroyable. Oui, il y a une lourde erreur, ça c'est sûr. Qui ne l'a pas abandonné au filet. Il y a eu des oublis